Bonjour à tous, je m'appelle Romain Heinrich, j'ai 24 ans et j'ai participé au mois de février dernier à mes premiers JO d'hiver. J'ai fait deux épreuves, le bobsleigh à 2 et le bobsleigh à 4. En bob à 2, nous avons pris la 20e place de la compétition. On vise un petit peu mieux, mais ça reste un bon résultat. Et en bob à 4, on a fait 17e. C'était vraiment un bon résultat, puis c'était le meilleur résultat de notre saison. Cela fait 5 ans que je suis à Grenoble. Les trois premières années, j'ai fait un diplôme d'ingénieur à Grenoble INP Génie Industriel. Et maintenant, depuis 2 ans, je suis à l'IAE de Grenoble, pour lequel je fais un master d'administration d'entreprise. Ces deux écoles m'ont aidé à me structurer et à m'accompagner dans mon double projet, qui était un projet professionnel d'une part et sportif d'autre part. Au niveau de Grenoble INP, ça s'est traduit au niveau des examens par une possibilité d'aménagement, c'est-à-dire je pouvais les décaler quand j'étais pas là. Ça a également été au niveau de la plateforme technologique GINOVA, on a pu développer du matériel de bobsleigh spécifique à l'entraînement et ça a été un grand plus en cette année olympique. Et puis enfin, ça a été au niveau des encadrants du sport de haut niveau, un accompagnement puisque le bobsleigh a démarré quand j'étais à l'école d'ingénieur et donc ils m'ont aidé à construire mon projet sportif jusqu'à Sochi. Au niveau de l'IAE de Grenoble, le personnel enseignant a été très motivé par mon double projet et a accepté de m'intégrer au master d'administration d'entreprise sur dérogation en formation continue. Ça a été une chance pour moi puisque la formation continue me permet d'aller en cours en fin de semaine, ce qui me laisse tout le début de la semaine pour m'entraîner et m'impliquer dans mon projet sportif. En cette année olympique, c'était indispensable. Grâce à cette formation, les professeurs ont pu être très flexibles par rapport à mes contraintes. Et quand je suis absent pendant toute une partie de la saison, je peux rattraper des cours quand je reviens dans d'autres masters, dans d'autres formations, ce qui me permet en fait de tirer complètement profit de cette formation. Et de tirer tous les enseignements qu'il y a dans le master. Enfin, je tiens à préciser que mon lieu d'entraînement principal, c'est sur le campus, au niveau de la faculté de sport. Il y a des infrastructures qui sont parfaites pour le haut niveau, notamment avec un nouveau stade d'athlétisme. Et donc, je tiens à remercier, au sens large du terme, Grenoble Université, pour toutes les conditions optimales qu'elles apportent aux sportifs de haut niveau.